présente le conseil politique de la Commission méditerranéenne, CGLU, cités et gouvernements locaux et unis. Donc, je représente les collectivités locales et régionales méditerranéennes. Notre action est essentiellement une politique de proximité des citoyens, gérer les catastrophes d'inondation, d'érosion, d'autres problèmes créés par le changement climatique, la désertification en ce qui concerne les régions et les villes du Sud. On fait un partage de l'information et des connaissances et des bonnes pratiques. Aussi, nous faisons des mesures de prévention des inondations et de toutes les catastrophes naturelles qui peuvent arriver. Sensibilisation de la population, c'est important. Les citoyens doivent savoir ce qui peut arriver demain. Donc nous sommes aussi en réseau pour inciter les États et les gouvernements à prendre leurs responsabilités et à nous doter de plus de moyens et de compétences. Alors ce qu'on souhaite à MedCOP21 et à Marseille exactement, c'est faire une déclaration universelle de la villa méditerranéenne que, à mon sens, elle représente tout ce qui est la culture méditerranéenne et les pays méditerranéens avec notre histoire et nos civilisations méditerranéennes. Un appel pour un éveil de conscience planétaire que le changement climatique et les problèmes qui peuvent en découler ne reconnaissent pas les frontières. C'est une nouvelle conscience planétaire qui peut prendre naissance à Marseille.